Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça sera un petit haul spécial Kiabi. Voilà. Désolée pour ma voix, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai attrapé un petit coup de froid à la gorge. Donc voilà. Voilà, quand on veut faire du ménage et aller dans le jardin en débardeur alors que il ne fait plus très chaud, bah c'est un peu bien fait pour moi, quoi. Bon, sinon, j'avais envie de vous parler de mon bon plan Kiabi. Donc, pour celles ou ceux qui ont Wanted, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Wanted, c'est une application qui vous trouve énormément de codes promo. Qui vous fait bénéficier entre, je vais dire, entre 1 euro et c'est pas jusqu'à plus de 100 euros, il me semble. Tout dépend les sites, tout dépend les prix que vous. Enfin, tout dépend le montant total de votre commande. Et voilà. Donc, en fait, vous allez télécharger sur votre, comment dire, sur votre compte Google. La barre d'infos c'est Wanted et vous cliquerez dessus. Et quand vous allez cliquer, ça va vous trouver des codes promo. Donc voilà, ça va chercher tous les codes promo qui existent. Et à la fin, bah, soit ça va mettre pas de code promo pour ce site, ou alors ça va vous trouver un code promo, par exemple moins 10 euros, moins 5 euros, moins 50 euros. Enfin voilà, il y a vraiment du choix. Et avec Kiabi, donc j'ai cette astuce-là avec Kiabi. Et j'ai aussi l'astuce de vous aller sur votre barre de recherche Google, vous tapez code promo Kiabi mai 2018, et là vous allez tomber sur plein de sites, donc comme radin.com, enfin etc. quoi. Et donc vous cliquez dessus, vous allez tomber sur plein de codes promo. Donc vous allez voir moins 10, moins 10, moins 10. Vous cliquez sur le premier, vous essayez de le rentrer, vous copiez le code promo. Vous essayez de le rentrer dans votre panier, enfin oui, voilà, dans votre panier où il y a le écrit code promo. Vous le validez et si ça fonctionne, c'est tout bénéf. Voilà. Donc pour un minimum de 40 euros, vous avez moins 10 euros de réduction. Donc voilà, au total, moi je fais des commandes de 40-45 euros grosso modo. Et j'ai toujours moins 10 euros. Donc je paye aux alentours de 30-35 euros mes commandes au lieu de 40. Voilà. C'était la minute bon plan du jour. Voilà. Donc sinon, nous allons passer à ce petit haul. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait pour moi, pour une fois. Parce que comme vous le savez, j'ai Luna de la chaîne Studio Lucorna. Donc je vous remets son lien ici. Et comment dire, j'ai aussi les jumeaux à habiller. Donc cette fois-ci, j'ai dit, je ne vous achète rien. Et puis, on va dire, ils ne sont pas en manque de vêtements. Et donc, j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir et de me faire une petite commande, surtout que c'est mon anniversaire bientôt. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas être jolie le jour de mon anniversaire. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, par contre, il y a juste ça que j'ai acheté chez H&M pour moi. Donc c'est ce t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est un t-shirt un peu plus court. Il est vachement large et c'est écrit NASA. Voilà, j'aimais bien ce t-shirt. Combien je l'ai payé celui-là? Je crois que je l'ai payé 9,99 € il me semble. Et j'ai pris pour Luna, chez H&M aussi, ce t-shirt. Voilà, Bunny. J'avais bien aimé. Et à Luna, je lui ai pris ce petit pull au lieu de 15 euros. Je lui avais payé 7 euros en promo. Donc voilà, petite bunny. De 78. Et là, vous voyez sur les manches, il y a des petites écritures. Donc j'avais trouvé ce petit pull très mignon. Donc voilà, et quand elle l'a reçu, vous doutez bien que elle a adoré. Donc nous allons passer à ce que j'ai acheté chez Kiabi. Donc j'ai pris des trucs assez simples, hein. Donc j'ai pris ce petit haut jaune. Voilà. Et en fait, j'aimais bien le petit détail nœud qu'il y a aux manches. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, il est comme ça. Je ne sais
sais pas si vous voyez bien. Et je l'ai acheté pour mettre avec ce short. Donc, par contre, j'ai oublié de vous dire, le t-shirt, je l'ai payé 5 ou 7 euros, il me semble. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ouais, 7 euros. Le short, je l'ai payé 12 euros. Voilà, donc, il est comme ça. J'avais envie d'un petit short de couleur un peu jean, passe-partout. Comme ça, si je peux même le mettre avec mon t-shirt Levi's, ça fera pas bête. Parce que j'aime bien les shorts fluides comme ça. Et j'en ai déjà, mais genre c'est plutôt des shorts, vous savez, un peu fleuris à motif. Donc du coup, j'avais vraiment envie de prendre quelque chose qui changeait. Donc je vous l'ai dit, je ne sais plus, je l'ai payé combien voilà, donc je l'ai payé 12 euros. Donc c'est pas cher. Ensuite, j'ai acheté une robe basique noire. Je l'ai payé 8 euros. Donc c'est vraiment une robe basique. Avec les manches comme ça, courtes, un peu froufrou. Hop. Bon, elle est vraiment grande. Hein. Donc, ouais, je l'ai payé 8 euros. Et j'avais vraiment pas de robe noire basique. Je me suis dit, bon, bah, allez. Hein. Si un jour on a un petit resto, enfin, une petite soirée en amoureux, ça fera toujours une petite robe basique à mettre. En espérant qu'elle m'aille, parce que je n'ai pas essayé encore tous les vêtements. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer de voir, commentez et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit lookbook avec les vêtements que vous venez de voir. Ensuite, alors je vais reculer peut-être un petit peu la caméra. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris cette magnifique robe que j'ai payée 15 euros seulement. Voilà, c'est une robe, elle est comme ça. Vous voyez ? C'est top ces robes. Ces robes bustier. Donc elle est toute rose. Voilà, donc pareil. J'adore le rose poudré comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la vidéo avec Luna sur sa chaîne. J'ai mis une robe un peu verte dans ce style. Et vu que j'aime beaucoup ces robes, du coup, ben, je me suis laissée tenter. Et pour le prix 15 euros. J'allais pas m'en passer. Quoi. Donc voilà, j'ai pris cette jolie robe. Donc bien sûr, j'ai pris la même en jean. C'est vraiment la mode. Pareil, donc je l'ai payé 15 euros. Et elle est, voilà, comme ça. Il me semble qu'il y avait aussi kaki noir, je sais plus. Il me semble qu'il y avait rouge et... Ouais, je sais plus après les coloris. Il va y avoir une plus claire comme ça. Donc la prochaine fois, je pense que je vais me laisser tenter par la plus claire. Comme ça, j'aurais vraiment... vu que j'aime beaucoup ces robes, je vais me laisser tenter par les autres coloris. Donc voilà, pareil. Hein, vous voyez pas très très bien. Mais cette robe est juste magnifique. Je sais pas, peut-être que vous aussi, vous en avez acheté des comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, j'ai acheté un t-shirt, donc pareil, je pourrais le mettre avec le short en jean que vous avez vu. Donc, au lieu de 6 euros, je l'ai payé 3 euros. Voilà. 3 euros. Il est simple, mais je sais pas, j'aimais bien. Voilà, good day. Voilà. Avec mes petites converses blanches avec les traits rouges, ça va passer super bien. Ça va super bien passer. Non, mais moi et mes phrases, des fois, à 2 balles, là... Voilà. Pareil, j'ai eu celui-ci à 3 euros au lieu de 6 euros. Donc, je vous le dis, hein, c'était une super affaire. Et j'ai pris ce t-shirt. Voilà. 3 euros aussi au lieu de 6 euros. Pareil, t-shirt tout basique. Mais bon. Dans une armoire, il faut vraiment du basique. Parce que sinon, vous allez trouver que vous n'avez jamais rien. Donc, une pièce basique à avoir absolument dans son dressing. Je dirais que c'est le perfecto. Moi, j'ai un perfecto noir basique. Et j'ai un perfecto noir que j'ai acheté chez Zara avec un gros tag dans le dos. Et il y a des strass dessus. Donc, celui-là, c'est pareil, je l'adore. Mais vu que j'ai grossi, je ne le mets plus en ce moment. Donc, il va falloir remédier à tout ça. Pareil, j'ai aussi perfecto rose, perfecto jaune.
Perfecto Bordeaux, Perfecto Bleu. Ouais, en fait, j'ai acheté toutes les couleurs, quoi. Ah si, il me manque le Perfecto Rouge que j'ai pas. Et j'ai même un Perfecto Beige en Suédine et un Perfecto Rose en Suédine. Voilà. Bon, vous avez compris, moi et les Perfectos, c'est toute une histoire d'amour. Bon, voilà, ce petit haul est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que j'ai acheté, ça vous a plu, si vous avez acheté des choses similaires ou les mêmes articles. Et dites-moi si un lookbook de ces vêtements vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!